dans la lumière. Bénédicte, quand je lui ai demandé, voilà, il faut qu'on crée une asso pour la chorale, j'ai besoin de quelqu'un, et si possible, une présidente. Je lui laisse la parole. C'était avec plaisir. Bonsoir à tous et bienvenue au Colisée. C'est impressionnant hein, de voir le Colisée plein à craquer. Et je suis sûre que vous aussi, vous devez être impressionnés. Parce qu'il y a quand même 145 choristes derrière moi. Oui, c'est vrai. Wow. Alors, je voudrais d'abord remercier la ville de Roubaix qui nous accueille ici ce soir, et également la ville de Croix qui met à notre disposition toutes les semaines des salles de musique pour que nous puissions répéter par groupe de 50. Donc, on a beaucoup de chance et on en est bien conscient. On est très bien logés. Alors, l'accord La Boute Souffle, eh bien c'est la chorale qui ne manque pas d'air. On vient chanter avec plaisir pour se faire plaisir. Et il faut savoir une chose importante, c'est que la chorale La Boute Souffle, c'est une chorale amateur. D'accord ? Alors, petit flashback, il y a 2 ans, nous étions 25, l'année dernière 70, et cette année 145. C'est une rencontre entre Bertrand, c'est toujours lui, un choriste, c'est pas forcément celui qui chante le mieux, mais en tout cas, c'est grâce à lui que nous sommes tous réunis, c'est lui qui a pris l'initiative, ça n'arrive pas toujours ça. Quand on fait une manifestation pour l'hôpital, il faut toujours travailler beaucoup, et là, il nous a servi ça sur un plateau, et en plus avec 150 personnes, c'est du jamais vu. Alors, je suis sûr que vous avez déjà lu le programme attentivement, vous savez tous ce qu'est l'hôpital, donc je vais être bref, de toute façon, c'est pas pour moi que vous venez, c'est pour eux. Alors, je rappelle simplement que ça fait 30 ans qu'on existe, qu'on a livré 2 millions de jouets dans les hôpitaux de la région, et qu'en fait, on est roubaisien de naissance et aussi de résidence. Donc, c'est un lien fort avec cette ville. Et par exemple, notre plus gros projet réalisé dans un hôpital, c'est la rénovation du service des urgences pédiatriques de l'hôpital de Roubaix l'an dernier, où on a, en décor, changé tout l'aspect avec une thématique du chat, qui se trouve sur les salles d'attente, salles de soins, etc., l'accueil, des plafonds lumineux, pour une somme de 26 000 euros. Vous voyez que c'est des choses conséquentes. Et on est très fiers de pouvoir réaliser non seulement sur la région lilloise, mais aussi Roubaix. Donc, un grand merci à vos souffles. Alors, moi, je peux vous dire, je les ai entendus aussi. Il ne manque pas de souffle, il ne manque pas de talent, il ne manque pas de cœur, surtout. Merci Alice, merci Bertrand, et bonne soirée. Thank you.
c'est le boss, quoi. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Alors, on reprend un petit peu cette histoire.
c'est la chorale à bout de souffle. C'est une chorale qui ne manque pas d'air. Tout le monde peut chanter.